Cul. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.
the call. Think about it, rain won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all.
Ushuir. J'étais encore en train de miner. J'espérais que... J'ai bien avancé pareil. Il me reste quand même un peu de blocs à miner avant qu'il nous reste 124 blocs à miner en X. Il nous reste un petit peu plus de 124 blocs à miner. On va arrondir 200 blocs à miner en X. J'ai niqué ma fortune. Pour vraiment gruger à fond, là, je retournais à mon deuxième checkpoint. Ou à mon checkpoint. Un petit bout de chemin à faire pour retourner à mon checkpoint. Je retournais à mon checkpoint, j'ai l'inventaire à vider. Tombé sur une immense caverne. Je vous montrerai où est-ce qu'elle est, là. Je m'en souviens plus exactement, là. On regarderait les murs, je pourrais vous dire où est-ce qu'elle est à peu près, là. Je pense qu'elle est ici. Non, ici, il y a un spawner araignée. La caverne, je pense, à ici, la caverne. Ouais, on est pas loin de la caverne. La caverne est ici, je pense. Ouais, ça en est une. Il y a du diams là-bas. L'inventaire est full. Je garde un demi stack de blocs sur moi. Correct. La caverne, elle a un plafond en cobble aussi. Puis ça s'est élargi. Yo le bon français, comment va? J'essaie de me souvenir où j'ai vu une caverne juste immense. Je suis tombé sur une caverne immense pendant que je minais à ici, je pense. Ouais, c'est ici. C'est ici. Ouais. Juste huge. En chemin, là, je suis tombé dessus. Je l'ai pas exploré du tout. Il y a du diamètre au plafond. Peignoir, je veux pas torcher. Je récupère des torches au fur et à mesure. J'ai comme faire des torches si j'ai besoin. C'est juste que... Je trouve la caverne quand même assez sympathique pareil. Ouais, je cracherai pas sur des diamètres. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. Ah ouais, man. Danny. Comment va? Voilà. Belle petite caverne que j'ai tombé dessus tantôt là, en minant à matin. Mais bon. C'est pas le but.
Le but, c'est de ramener nos petits pépères à la maison. Nos petits pépères à la maison. J'en ai un autre où c'est du tuff au plafond. Caverne. Tu as caverne, je suis tombé dessus. J'étais content quand je suis tombé sur des cavernes, je gagne du temps dans ce temps-là. Ici, tu penses. Ouais, ici. Celui-là, non? Je ne me souviens plus exactement où c'est. Non. On est à 46. Comment va mon petit Pierrot? Comment va le petit Pierrot? Ah, t'as manqué le show-off de hier. Somme show qu'on a eu hier. Somme show. On a presque eu le train de la hype niveau 1. J'étais choqué. Content, mais choqué. Oh, yeah! J'ai eu 2 abonnements hier, j'ai eu Edo s'est abonné, le bon français je pense. Aussi. Fait que 2 abonnements dans la même soirée, ça grimpe la cote. Des follow, écoute, j'étais aux anges moi là hier. J'étais aux anges. Ah. Comment va mon petit Pierrot? Comment va mon dormeur? Ah, faut pas oublier aussi le raid. Min Clan. Bonsoir. Comment va? Oh, je vais bien. Je vais bien. Tu vas te rendre compte que c'est cosy. Ici, c'est cosy. On prend notre temps. Je prends le temps de discuter avec tout le monde. Québécois. Je prends le temps de lire les commentaires. Je discute avec tout le monde. On profite. Ah, oh, pas de problème, tu me diras en PV. Oh, c'est pas grave. Théoriquement, Canadien, Québécois, c'est du pareil au même, mais bon. Le pays, c'est le Canada, mais. Québécois de cœur. Je suis pas indépendantiste ni rien. C'est dans l'état actuel des finances. Ouh. Ah, merci, fait plaisir. Ouais, et surtout aussi, aucune gêne sur les sujets de discute. Justement, parlant d'un sujet de discute, je me suis roulé par terre. J'ouvre mon TikTok un matin. La ministre française, je me souviens pas du nom, des sports. Va se baigner dans la Seine 2 heures plus tard aux urgences. Rire! Mais j'ai jamais autant ri! J'ai jamais autant ri! Ah, ça c'est classique! Mon petit Pierrot, c'est classique! Je me suis roulé par terre. Pour avoir visité Paris. Disons que j'essaye d'atteindre
un certain couple de coordonnées pour... Je me taperai pas le chemin inverse, mais j'ai 1000 blocs à faire dans le sens là pour ramener deux villageois à ma base. J'ai... À la pelletée, je veux dire, j'ai 1600 blocs à faire avec deux, avec un couple de villageois. Je me creuse un tunnel. C'est plus sûr. Puis je veux pas que ramener deux villageois, je vais ramener les villageois avec qui j'ai trade déjà. Mais j'avoue que j'aurais peut-être dû prévoir plus de pioches. Fait que là, je suis sur les pioches de cobble. J'ai niqué ma pioche en diams. J'en ai une deuxième, mais elle, je la garde. Elle a juste un break dessus. Un break et seal touch. Elle a pas efficiency, fait que vaut pas réellement la peine que je l'utilise. Juste pour les ressources, par contre. On va les ramener en bateau. Je vais réélargir sur l'autre côté. Mais non, Pierrot! Mais t'es un fou, Pierrot! Depuis longtemps, je suis affilié. Mais Pierrot, depuis le temps que tu me suis, il enchaîne un abonnement sauvage. Mais monsieur, vous êtes fou. Un vrai fou. Oh, moi, je vais le dire de même, Minklan. Je fais ça par passion. J'adore streamer. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être tout seul sur le live. De l'animer pareil. J'adore liver. Ma copine me dit continue de travailler, elle m'appelle. Elle me dit t'es en train de bosser. Oui, c'est pas du bossage. Parce que j'adore ce que je fais. J'adore liver. Considère pas ça comme un travail. Oh. Lâche pas. À un moment donné, ça va venir. J'ai beaucoup de followers. Mais je pense que j'ai atteint 666 followers hier. Mais les followers ont aucun lien avec le nombre d'abonnés. Et le nombre de viewers réels. Je te dirais que honnêtement. Je veux pas donner un ordre erroné, mais dans mes plus anciens, ça je le sais, dans mes plus anciens, il y a Pierrot, BDS La Loutre, il y a Edo, le bon français ça fait un bon petit moment aussi, Rino, Edo, Fufui aussi, Fufui, c'est mes plus anciens là. Fufui, c'est Fufui, ouais. Fufui est quasiment un bon bébé là, on est à 2 ans je pense, Fufui ou Edo, un des deux, on est à un bon bébé. Il arrive au 20e mois d'abonnement je pense consécutif, il utilise le Prime. Ah oui, ça veut dire que je fais que t'aimes ce que je fais. Si tu continues de venir, ça veut dire que je fais toujours aussi bien ça. Merci pour le follow. Merci. Ça fait toujours plaisir de compter quelqu'un de plus dans la communauté. Oh my god, 4 ans. 4 ans. Oh mon dieu. Oh bon dieu. Ouais. Bon dieu. Hey, ça fait des années que je live. Je m'en rends même pas compte que ça fait des années que je fais des lives.
c'est quand je vois les abonnements, je clique sur exemple là dans le cas de Pierrot, je regarde, c'est son compte secondaire. À moi il a changé le nom. Je regarde. Vous suivez depuis 2016. Follow depuis 2020. Ça fait 4 ans. Le bon français me suit depuis un an. Fufu, ça fait longtemps. Ok, t'as juste changé de nom. Ok, c'est bon. Fufu, il fait... Fufu, hey. Ça fait tellement longtemps. Il y avait un débat, je me souviens, à un moment donné. C'était qui entre... de la commu qui suivait depuis longtemps. Ça se jouait à pas grand-chose. Oh, écoute, moi, pareil, je réalise. Ça fait 4 ans. Ah, pas de problème. Ah, ça fait toujours plaisir de voir du monde passer de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Tu repasseras quand tu pourras. Hey, 4 ans. Il y a du monde qui t'est même pas né il y a 4 ans. On vient de passer le 0-0. Le cap du 0. Plus on va se rapprocher du moins 124. Moi, il va nous rester de bloc à miner. C'est mine de rien très long à miner à la pioche en cobble. Surtout que c'est de la deep slate à miner. C'est un beau bloc. Des belles variantes de blocs qu'on peut faire avec. Mais tellement là, miné pour rien. Je déteste ce bloc. En tout cas, le miné, je le déteste. Oh mon dieu, ouais. Ça veut dire que t'es toujours pas majeur, mon petit Pierrot. Toujours pas majeur. À moins que je me trompe sur l'âge légal en France. Ah, ok, en France c'est légal, ok, c'est bon. Ouais, mondial c'est 21, ouais. Ça, je le sais. Hein. Malgré que dans certains pays, je pense la majorité s'atteint genre à 25 ans. Il me semble qu'il y a un ou deux pays dans le monde où c'est ridiculement vieux pour rien. Ouais, c'est stupide. En termes, on est à... Il y a 100 blocs à miner. Un peu plus de 100 blocs à miner. Je veux dire 400 blocs à miner parce que je mine sur 4 de haut. Ouais. Je pense que depuis la dernière fois que t'es passé... Ah, il s'est passé des choses depuis la dernière fois que t'es passé. Oh, écoute. Je laisse admirer la quantité de diams que j'ai sur moi. Mon full diams, mon full équipe en diams. Je pense qu'il me reste une vingtaine de diams à la base en plus. Fait que bon, le diams... Ouais, depuis que t'es passé la dernière fois, je me suis mis en couple avec une femme adorable. Ouais, elle est adorable. J'ai rien à lui reprocher. Rien de rien.
On la... On brûle. Ce qui est... Ouais. La différence, parce que je fais 6 pieds 2. Je suis à 1m85. Et elle fait 4 pieds 11. Ce qui fait en termes... 1m50. Elle fait 1m50. Fait que je te laisse imaginer la différence de grandeur. Elle a l'air d'un enfant à côté de moi. Je pense que c'est une chose aussi pour laquelle j'évite d'y donner encore ma chaîne Twitch. Parce que elle lirait ça, elle ferait genre, tu me défends pas. Pas vrai. Honnêtement, elle est adorable. J'ai rien à redire contre elle. Mais disons que quand je suis à côté d'elle, je prends un coup de soleil tout de suite. Garantie. Première date que j'allais que je l'ai vue, on s'est rencontré IRL pas dire de conneries. Au mois de mai. Fin mai. J'étais allé la rencontrer. Ça va bien. Le lendemain, on s'organise deux semaines plus tard, on se rencontre. On se re-rencontre, on va prendre une marche, on va discuter et tout. J'ai pris un coup de soleil. Moi qui est blanc de base, à côté d'elle, le soleil doit choisir sa cible. C'est moi la cible. Je sors avec une ivoirienne. Fait que... Disons que... Il y a une bonne différence. Elle me dit, oh, j'ai pris des coups de soleil. Moi, je suis rouge tomate. Je suis rouge comme ça. Puis elle me dit qu'elle a pris des coups de soleil. Dès que je pense à elle, j'ai le sourire, fait que... Je m'en vais la chercher demain. Elle reste à 100 bornes de chez moi, fait que... Je la vois aux deux semaines. Ah ouais, moi j'étais rouge. On est à... encore loin. Mais je vais aller la chercher, elle est à 100 bornes, qui me dit t'as 100 bornes. Mais je suis en train de la trigger pour qu'elle déménage dans le coin. Ou que possiblement l'année prochaine elle emménage chez moi. Me fait rire. Au début, on était supposé se rencontrer dans un fast-food, dans un lieu public. C'est généralement meilleur moyen quand tu rencontres quelqu'un sur le net pour éviter de tomber sur un taré. Au moins, t'es pas dans une ruelle sombre. À change, à la dernière minute, le lieu du rendez-vous, je suis comme, ok, bon, je vais tomber sur un bonhomme qui fait 350 livres et qui s'appelle Chuck. Puis, elle m'a expliqué le pourquoi elle a changé la dernière minute. J'ai trouvé ça drôle. Mais drôle, mais c'est cocasse. Parce que, vu que au Québec, il n'y a pas beaucoup d'ivoiriens,
C'est une communauté assez soudée. Donc, elle voulait pas que des membres de sa communauté apprennent tout de suite qu'elle se mettait en couple avec un blanc. Moi, j'ai juste trouvé ça comme. J'ai juste trouvé ça mignon. Quelle distance il me reste à faire? Bon, va falloir que je sorte mon four. Non, elle a l'accent ivoirien, je vais dire ça de même. Elle a un accent étranger. Mais adorable. Je me lasse pas de l'entendre me parler. De l'écouter me parler, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. J'arrête de penser à une manière de donner une image de comment il y a la différence de grandeur. Je pense que si je me lève, c'est à peu près. C'est au niveau de la caméra que ça t'arrête. Genre le haut de la caméra, là. C'est là, à la côte là, là. Fait que moi, je suis obligé. À tous les fois qu'elle veut me donner un bec, là. Elle lève les bras de même, là. C'est mimi. C'est trop mimi. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle me demande pourquoi je préfère les femmes plus petites que moi. De 1 à ma grandeur, 99% des femmes sont plus petites que moi. C'est une sac que j'en sens l'air en pensant. Hein. J'ai pas les stats. Mais c'est Mimi, elle se lève les bras là, elle m'enlace le coup de même là, elle me tire quasiment pour me donner un bec. Ah, c'est les bangers. Les femmes plus petites, c'est des bangers. Je vais donner une expression québécoise. On dit que dans les petits pots, les meilleurs onguents. Je sais pas s'il y a son équivalent français, probablement dans les petits pots, les meilleurs remèdes, peut-être. Si je vois littéralement, là, c'est ça, là. Mon inventaire est fou. Oups, pas pété de diamant. Moi, je croule sous la richesse, moi. Quelqu'un qui se pointe sur mon serveur, je lui fournis le full diamant. Qui se pointe sur ma map plutôt, là, parce que c'est pas en serveur. Littéralement, je lui fournis le full diamant. Je lui lance le 63 diamant. Ah ouais, va t'équiper. Ah, et je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé les femmes plus petites plus attirantes. J'ai encore de la marge avant d'atteindre la zone. Mais à la même âge que mon ex. Faut que je le précise, j'ai la même différence d'âge que j'avais avec mon ex. Ouais. Monsieur. Comment dire?
Il y a beau avoir la possibilité de l'amour à distance, mais là, c'est plus l'amour à distance, c'est un océan, être à l'opposé du globe. Être à l'opposé du globe, quasiment. Tu prends le globe, tu fais « oui, et là! » Elle est quasiment pas loin de chez moi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et j'étais toujours. Et je maintiens mon point. Le jour où tu te pointes, la beuverie. La beuverie. Façon de parler, tu sais bien. Non, en vrai, je te ferai découvrir de l'alcool local. On a des bons petits, des bonnes petites bières locales, là. Ben aussi, je pourrais te faire goûter le meilleur chocolat au monde. Il est à une demi-heure de voiture de chez moi. Il a même battu le chocolat suisse et belge. Ils font le concours mondial à tous les ans, puis ils l'ont gagné. Je pense que c'est 2 ans de suite qu'ils gagnent. Une petite fierté locale. -89. Et moins 124. On est quasiment rendu en X. Je vais descendre jusqu'à moins 123. Par sécurité. Ben, je pense que dans les priorités, si tu viens au Québec, c'est pas ma belle gueule que tu vas venir voir. Me trompe. Tu veux plus aller voir une autre belle gueule. À la prochaine tour, je vais regarder où est-ce qu'on est rendu. Cette foule, moi. Moi, je pars de principe que qui ne dit rien consent. Donc, je sais exactement qui tu vas aller voir avant moi. Et je t'en voudrais pas. Ah, c'est sûr, moi pareil, je kifferais de voir en vrai là. C'est déjà vu quelques fois en vidéo, en call, mais pas la même chose. Call vidéo puis IRL, c'est pas la même chose. Comme quand ma copine m'appelle, c'est plaisant de parler avec elle au téléphone, mais c'est pas la même chose. Ouais, c'est, j'avoue, trop longue distance. Beaucoup de paperasse aussi pour devenir immigrant. Beaucoup de paperasse. Théoriquement, même une autre torche, je vais être correct.
Un peu là, j'ai quoi j'ai encore. J'ai mon Epic Game qui est ouvert. Qu'est-ce que tu me dis là? Je suis pas un pigeon, laisse faire les FIFA puis les FC je sais plus quoi là. Made of Secure. C'est quoi? C'est un jeu. Ça a l'air d'être un jeu d'horreur. Jeu gratuit, c'est pour ça que je regarde. Sans violence, langage cru et trash. Je comprends. Je comprends tout à fait. Fait que t'as acheté un chandail tout ça parfait. Wouf, ça pas l'air si bon que ça comme jeu. Moi ça va attendre. En vrai, c'est les finances moi qui me bloquent. Et le pire c'est que je sais c'est quoi ce qui me retient niveau financier, ce qui me coupe 75% de mon budget. C'est mon char. Le jour où il est payé. Ou en moins que le voyage au Japon est envisagé. Ouais. 21. 22. 23. Je vais aller jusqu'à 25. Parce que de la manière dont c'est fait, je suis 24 là. C'est 23, 25, c'est ça. Ben, je suis très content pour toi d'aller que t'ailles au Japon. Pitié, fais pas les attrapes touristes, s'il vous plaît. Fais pas que les attrapes touristes. Malgré que... Là, si je regarde... Je regarde... Le nord. Moi, je regardais l'ouest. Je suis en 120... Le bouclier est en 124. Je suis ici, genre. Je me remets à peu près le même point, là. Vas-y, c'est ça, j'étais ici. En tout cas, je suis dans ce coin-là. Là. Évidemment, fais-toi des onsen. Si t'es pas tatoué, fais-toi des onsen. Ce qui est mon problème, c'est que je suis tatoué. Je... Moi, faut que j'attende que la loi anti... anti-interdiction de tatou soit passée. Ah ouais.
Mais ils ont le projet de loi sur la table. Si je me fie à ce que Tev d'ici Japon a dit, le projet de loi sur la table. Fait qu'ils ont plus le droit de d'interdire les tatous, mais avec toutes les conneries des touristes dernièrement, pas sûr que ça va passer facilement. Gang de cons. Ouais. Le petit tatou qui fait bien Yakuza. Tu t'aides pas, mon cher Pierrot. Moi, mes tatous, je peux très bien les expliquer. Fairy Tail, Zelda, puis un. Bah, lui de l'avant-bras gauche, c'est un autre pas de manche. C'est quand même un démon avec des ficelles. Je peux le dire, c'est une référence à Master of Puppets, une de mes chansons préférées. Mais bon. Décourage-toi pas là. Prive-toi pas, il existe une carte avec les onsen représentés qui sont indiqués, qui acceptent les gens tatoués. Je l'avais déjà marqué, mais j'ai perdu mon doc. J'ai perdu mon doc où c'était marqué. Où je l'avais marqué. Faudrait que je refasse des recherches, mais comme dit, j'irai pas au Japon avant au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Parce que moi, si j'y vais pas avec 1000 boules dans le portefeuille. J'y vais avec 10 ou 20 000 boules dans le portefeuille. J'ai bien l'intention de sortir, revenir au Québec fauché. Tout flober mon cash. Ah ouais. J'avoue. C'est sûr que c'est un beau projet pareil. Moi, si j'y vais, je pense que je vais devoir me dealer ça avec ma blonde. Parce que ma blonde a pas l'air d'être ouverte au Japon. Fait que. A rien contre, mais. Bon. Hein. Faut devoir dealer. Mais bon. Elle m'empêchera pas d'y aller. Hein. Je peux-tu trouver mon checkpoint? Mon checkpoint était un petit peu loin. Peut-être me reposer un checkpoint. Ouais, théoriquement, je pense que je vais me reposer un checkpoint. Vu la distance que je viens de parcourir, je vais me refaire un checkpoint. Je ne taperai pas 60 bornes pour revenir. Je suis passé tout droit. J'ai skippé mon checkpoint. Ben comprends, j'ai trouvé long mon chemin. Je me suis fait tout le chemin inverse. Mais on pose un checkpoint plus haut. Ouais. Mais littéralement, si j'y vais là, je pars du bas de la grande île, puis je la remonte au complet. Bat sac. Ah, je pensais avoir accroché le piton de drop item.
Je me fais tous les ramen. Je me les fais tous. Je me fais tous les ramen. Tous les ramen en montant. Toutes les spécialités de chaque préfecture, je me les fais tous. Moi, je suis un gros mangeur. Fait que le champion japonais de mangeur de viande, s'il est mieux d'attacher son bavoir, je vais battre son record. J'suis un gros mangeur, fait que je me priverai pas. Là. Moi, si je vais au Japon, c'est pour la bouffe. Bouffe et... Je m'en tirerai pas, là. Les visuels... Shibuya... Shinjuku... J'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire au Japon si j'y vais, là, quand je vais y aller. Mais pour ça, il faut bien que je parle la langue. Ouais, le chemin est un petit peu long. Ma rencontre... C'est du chemin que j'ai fait là. Ben quoi, je tenais de creuser. Sur le retour, je vais miner à la drill. Que je vais appeler de la drill, des drills. Des pioches en diable enchantées. Efficiency on break. Voilà. Checkpoint. Zone de déchargement de ressources. Quand on va revenir en bateau, ça va être plus rapide de ramener le stock. Puis je pense qu'il existe un bateau au coffre. Fait que je ferai un bateau coffre au pire des pires. C'est ça, je suis dans la bonne direction. Là, faut que je me rende à 64. J'ai 800 blocs à faire. On a de la marge. Mais comparativement à certains touristes, je pense que je te connais assez bien que tu vas être respectueux. Fait que tu t'achaleras pas les geishas, tu prendras... Tu bloqueras pas la circulation pour prendre des photos des 7-Eleven avec le mont Fuji au-dessus. Les photos Instagram. Ah, c'est sûr. Moi, ce qui me fait rire, ok? Je trouve ça complètement débile. Explique-moi parce que je comprends pas. Pourquoi? Le monde font la même putain de photo que tu peux trouver sur Google Images du même spot. Le 7-Eleven avec le Mont Fuji au-dessus, tu le marques sur Google, tu le trouves. Pourquoi le monde se bat les couilles, se bouscule
puis se rendre dedans pour prendre la même photo. Mais même à ça, tu as été. Tu prends une photo Google. Ben c'est pas toi qui l'as pris, c'est pas grave. Rien à battre. L'autre le sait pas que tu l'as pas pris. Puis en plus, tu bloques plus, t'empêches pas la vie des Japonais, des Japonais. Moi, c'est quoi qui me fait tilter? Le monde qui c'est le nombril du monde, là. La forêt de bambou, là, elle a tellement été contente de la COVID. Les bambouneux ont pas de gravure dedans. C'était Steph qui avait fait... Steph ou Louis, je me souviens plus lequel des deux. Il est allé sur justement... C'est Steph. Il a fait des lieux touristiques. Il est allé à la forêt de bambou. Et il a montré, là, la portion Instabitch noir de monde. Le restant, c'était tranquille. Puis les endroits qui sont full touristiques, tu y vas de bonne heure le matin ou tard le soir, il n'y a pas un chat. Puis moi, je suis du style à faire le Japon deux fois style. Faire le chemin de jour, puis le soir, me promener dans les petits bars, puis trinquer avec des Japonais, discuter avec des Japonais. Vraiment, je vais pas dire vivre à la japonaise, mais m'intégrer avec des Japonais, me faire des contacts. Parce que c'est Louis qui disait ça. Tu peux pas te faire des potes japonais si tu bois pas avec eux autres. Les vrais japonais, ton vrai pote japonais, tu vas le faire en te torchant la gueule. C'est dur la vie, mais c'est ça. Je pense que fini ma musique. Ah non, il en reste encore. Moi, c'est quand j'étais allé en France, ma mère me demande, t'as pas pris tant de photos que ça? Pourquoi j'aurais pris 60 000 photos? Ils sont là, les images, là. Je les ai ici. J'ai les souvenirs. J'aurais peut-être pris plus de photos, là, mais c'est parce que j'avais pas un appareil de haute qualité. Aujourd'hui, si j'y retournais, je prendrais probablement plus de photos. À l'époque, j'avais pas de smartphone à l'époque. Aujourd'hui, j'y retournerais, le téléphone serait plein de photos, là. Mais j'empêcherais pas la vie du monde de se passer parce que j'ai envie de prendre une photo, là. Ouais, c'est 64. Là, je me demande où on va sortir. On sort-tu de l'autre côté? Parce que... De la manière dont j'ai pris mon screenshot, il y a un lac de lave, puis je vais atterrir sur le côté ici du lac de lave. Arriver comme ça. Pour éviter... de faire le tour. Mais d'après moi, je vais probablement arriver de l'autre côté.
Ça se peut. Si c'est le cas, c'est pas grave. C'est déjà, je vais déjà être rendu. Ramener les villageois va être plus facile à ce moment-là. Un petit main de carte pour RL Rail. Direction le breeder à villageois. Pendant que je ramène mes villageois à trade. Salut Martha, ça va bien? La dinguerie. Ce Pierrot. Je n'en reviens toujours pas. Un fou, un fou. Un fou, un fou. Je regarde. Ça revient être fluide. Moins 126. Tu veux le fait que tu aies lâché ton abonnement? T'es abonné? J'en reviens toujours pas, Pierrot. J'en reviens toujours pas, hein. Un fou, un fou. Il est fou, ce Pierrot. Il est fou. Bon, je vais déplacer ma gueule. Mettre ma gueule là. Nu ça. Comme ça, je vais pouvoir, si besoin, réactiver ma pinte de bière pour les bits. Ben. Et juste à aider. Ça, si je mets ça là, ça, je peux mettre ça ici, ça, je peux mettre ça là. Ah, il fait chaud ici dedans. Ressenti aujourd'hui faisait 34, je pense. Avec l'humidité, là. 34-35. Là, la clim tourne. J'ai le ventilateur qui me pousse la petite brise d'air, là. Oh. Fait du bien. T'es encore loin. Un peu plus, encore un petit peu plus de 700 blocs. M'inquiète pas. Je vais automatiquement déboucher sur la caverne. C'est immanquable. Martha va toujours bien. J'ai rarement vu Martha pas aller. C'est rare les fois que Martha va pas bien. Dernière fois, je pense, c'était quand son véhicule s'est fait dégommer. Non, peut-être quand t'as eu des problèmes au taf. Même à l'eau.
Ah oui, c'est vrai, c'était la TV la dernière fois. Ouais, oui, c'est vrai, c'était la TV. Je m'en souviens, la TV. Elle en a vu des jeux. Faut pas dire autre chose. Non, tu regardes ça sur ton PC, c'est vrai. Ah, caverne. Je pensais à m'inquiéter, faisait un bout, j'ai pas vu de caverne. Un seul? Ah non, quand même, deux. C'est bien. Là, c'est un bloc visible ici. Ah, au moins une bonne semaine, ça fait du bien. Moi, j'étais tout seul aujourd'hui au taf. Ben, seul dans mon département, là. Les gars sont, ont été obligés de venir me donner un coup de main dans l'après-midi parce que je fournissais pas. Il fait chaud là, où est-ce que je travaille là? Oh, qu'il fait chaud, il n'y a pas d'air clim où est-ce que je travaille là? Oh! Il fait chaud. Ah! Oh, bonjour! Mais il me demandait de le prendre. Pierrot a donné un sub à Martha. T'es un fou, Martha. T'es un fou, Pierrot. T'es un fou. T'es un fou. C'est le boss? Non, c'est même pas toi. T'es rendu Martha le boss! Le boss du stream, c'est Martha! Un fou, je te dis! Un fou, un fou! Plaisir, elle veut plus ça du plaisir. Hey. Je suis une chance, j'ai le cul posé sur ma chaise. Tomberait de haut. Pierrot, moi, il y en a pas deux comme lui. On m'appelle de me lâcher. Ça a toujours été un plaisir, hein? Ça m'a toujours fait plaisir à, de ta présence, mon cher Pierrot. Là, tu me gâtes ce soir.
Ouais, encore loin à faire. Ah, c'est formidable. Alors, je regarde de quoi, le boss du stream. Ok, c'est sur ce site-là que j'ai été. Je regarde de quoi là. Skip. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est un widget. Un widget. Voilà. Je regarde parce que... Ah, peut-être si je vois ça. Twitch? Non. C'était de follow. Ah, boss. Paramètres. Ça. Mais il y avait pas une option pour increase. Un peu fougeur de quoi. Oh, c'est pas ça. Qui avait l'image du pseudo. Il apparaissait pas. Voilà, on continue. Moi, je fais ça. What? What the fuck? C'est clairement ma réaction à soir. Ou sinon, je fais ça. Je peux faire ça aussi. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe.
Mais moi, je peux préférer utiliser ça plutôt. Si mon dormeur était en train de s'endormir, je l'ai réveillé. Martha connaît par cœur cette chanson. Je dirais que n'importe quel gars la connaît par cœur. Gone and you don't want to wait too long. Call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, but we won't let you keep the knife. We're the immediate murder professionals. Kids die for free. Tellement une des bonnes séries que j'ai vues sur le net. Ok, lac de lave, ok. Je me demandais pourquoi c'est éclairé. T'as quand même 700 blocs de la destination, fait que j'étais comme... Ça peut pas être ma base. Bon.
Ça je bouche. On accélère un peu quand on tombe sur des cavernes de même, mais on sauve un petit peu de minage, mais pas beaucoup. On se rapproche. Plus je mine de bleu, plus je me rapproche. J'ai hâte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait jouer. Qu'est-ce que j'ai pas fait jouer depuis un bout? Qu'est-ce qu'il a pas joué depuis un bout? Là, t'as pas joué à Yad depuis un bout. Tain. Non, on va aller mettre elle à la place. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Couilles, couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. And grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife. We'll even let you keep the knife. We're the immediate murder professionals. Kids die for free. Si t'as pas vu, Pierrot, faut que tu vois. J'ai jamais autant ri. L'origine de ce tune-là que tu viens de faire jouer. J'adore. J'ai rarement autant ri. Je vais montrer un extrait, ok? Je l'ai déjà vu, je pense. Je l'ai déjà mis. Je vais couper le son, là. On va se laisser en. Comme ça, on risque pas de crever. J'ouvre une autre fenêtre. Je ramène ça ici. Display capture. Que j'aide ça ici. YouTube. Et que je mette... Tu les as tous les épisodes, soit en anglais, soit en français. Mais je te le conseille en anglais. All right, now I know business has been a bit slow lately. Yes, it's no one's fault, okay? I'm not naming any names here, Moxie. Now, does anyone have any bright ideas on how we can get business drumming up again? What about a car wash? This is hell, Millie. No one cares about cars being clean here, okay? Whoa, what about a billboard? We can't afford a billboard, sir. Helpful, Moxie. Really glad you're in the room right now. Have you guys forgotten what service we provide? Those were the good times. I don't need any reminding, sir, considering you blew most of our salaries on an obnoxious TV ad last week, one that you then additionally paid to have run for a full 3 hours on a channel nobody watches. Hey, excuse me. What's obnoxious about a super fun jingle, all right? It's a fun distraction when an advertisement's spitting bullshit. People love musicals, sir. Exactly, Millie. And we're basically doing a musical. Are you gonna crush my musical theater dreams like my dad did?
sir. Because right now, all I see is just my dad's asshole talking to me, crushing my dreams of being who I truly am inside. Are you trying to crush his dreams, Moxie? What? I thought I knew you. I can't believe you, Moxie, after I made you Employee of the Month. Okay, sir. I'm sorry. A commercial jingle is not comparable to musical theater. Nobody actually likes the jingles. I liked it. Do not agree with him in front of me. Hi there, I'm Blitz. The O is silent, and I am the founder of IMP. Are you a piece of shit who got yourself sent to hell, or are you an innocent soul who got fucked over by someone else? After lovingly killing my wife for fucking a delivery man, you can imagine my surprise when I wound up here, after the state of Ohio killed me. I really wish I could stick it to that yappy jobber who saw me hiding the body. Well, luckily for you, thanks to our company's special access to the living world, we can help you take care of your unfinished business by taking out anyone who screwed you over when you were alive. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife. We'll even let you keep the knife. We're the immediate murder professionals. Doctor, he's not That's peu. Ça a beaucoup circulé à cause de la suite, parce que la créatrice, Vivzy, elle a créé deux séries. Eluva Boss, qui est plus avancée que sa série Fork qui est sortie sur Amazon Prime, Hasbin Hotel. Eluva Boss est beaucoup plus avancée, on est à la fin de la saison 2. Sur Vivzipot, sur Eluva Boss. Honnêtement, là, Eluva Boss, les fans vont tous dire Eluva Boss est mieux que Hasbin. Parce que Eluva Boss, elle a pas de boss au-dessus d'elle. Elle peut faire ce qu'elle veut. Tandis que sur Hasbin Hotel, tu sens que c'est à se retient. Ils se retiennent sur les jokes. Salace. Tandis que là, il y a aucune gêne. Premier épisode, c'est une maîtresse d'école qui tue son mari infidèle devant sa classe d'étudiants. Premier épisode, c'est ça. Honnêtement, là, j'adore. C'est mon personnage de cœur, Luna. J'adore Luna. Non, c'est pas passé à la télé. Hasbin, probablement. Hasbin Hotel est probablement passé à la télé. Probablement. Ça, je peux l'avoir ici. Le pilote. Ça, c'est le pilote. The Hasbin. At the end of the rainbow, there's happiness. Honnêtement, Hasbin est moins bon. Mais dis-moi. Ton personnage préféré d'Hasbin Hotel. Fais attention. Ton personnage préféré d'Hasbin. Ah, ok, c'est bon. Okay. Connais pas. Je te montre mon personnage préféré. Pas ce moucheron là. I'm alive! Pas lui. Thanks for the fun time.
hot stuff. Yeah, yeah, listen. Keep this discreet, you hear me? I can't let it get out. I'm offering my services to randos on the street. It was a quick cash grab. You got it? Whatever you say, slut. Ouch! Ooh, such an insult. Let me know when you come up with something creative to call me, you sack of poorly packaged horse shit. Tell the missus I said hi. Schnuckum. Back up. Boom! Angel Dust. Il joue les durs. Mais... Ah! C'est un tendre. Je l'adore, c'est un personnage tellement complexe. Il est tellement complexe, ce personnage-là. Mais je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Angel Dust, d'où son nom. De la cocaïne. Oh my god! My drugs! Damn it! Those other cowardly sinners dare not hinder my territorial takeover! A wise decision! The power of my machines are unmatched! No other demon can compare to the likes of I! Gee, that was pretty swell! Boss? Yeah! You really showed them what for. I liked when you shot them with your ray gun. I wish he'd shoot me with his ray gun. At this rate, I will seize control of the entire west side of the pentagram by day's end. And nothing, not a single beast in this inferno of suffering will be able to take back this empire from my constrictive grasp. Be mine, and everybody will know the name of Sir Lord. Pardon? Who said that? What did you just say to me, you fried chicken fetuses? Speak up! That wasn't us, Mr. Boss Man. Sugar Bone, pas ton nom. You looking for a fight? Old man. Why don't you get that tinker toy? Ah, honnêtement là, le travail de Vivzy là et de son équipe là, c'est lunaire leur travail. Ça vaut vraiment la peine. Mais Edouva Boss. Le doublage en français, il y a un doublage en français. Je peux te le sortir ici. Edouva Boss VF. Les a toutes. Tu peux toutes les avoir en français. Genre le trailer est doublé par des fans en VF et c'est propre. C'est propre en français. Alors, je sais que les affaires vont plutôt mal en ce moment, mais personne n'est fautif, hein. Je n'accuse personne ici. Moxie, alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous pondre une super idée pour renflouer les caisses? Et pourquoi pas un lave-auto? On est en enfer, Millie, on s'en branle que les voitures soient sales, ok? Oh, un panneau d'affichage! Non, on n'en a pas les moyens, monsieur. Super, Moxie, tu sais, ça aide vraiment beaucoup ton attitude là. Peut-être qu'il vous faut une piqûre de rappel sur nos services! C'est fait par des fans. C'est propre. Très propre. Si tu fouilles, tu peux toutes les avoir en français, probablement. Mais, personnellement, écoute en anglais. Les punchlines sont meilleures. Ça va plus loin. C'était ma petite instant promo pour Vivzy Pop. C'était mon instant promo. Il faudrait que je réactive le son par contre. Si tu veux, je peux te balancer le lien. Je vais balancer le lien même. Je vais balancer le lien de la playlist. En anglais. Episode All in the Bus, Episode in Order.
Copier. Coller. Voilà. Plus simple. Et c'est pas tellement long en vrai, là. Je pense qu'un après-midi, t'as tout claqué. En une après-midi, t'as tout claqué. Mais par contre, la musique. Je mets sur pause 2 minutes. Je fasse écouter une chanson. Épisode 2. Je fais juste écouter la musique. T'as même pas besoin de voir le visuel. Malgré que le visuel est ultra pété, là. Épisode 2, là. Special little starfire. It always seems more quiet in the dark. What was my speaker? As the stars start to align, I hope you take it as a sign that you'll be okay. Everything will be okay. And if the seven rings collapse, although the day could be my last, you will be okay. When I'm gone, you'll be okay. And when creation goes to die, you can find me in the sky upon the lost day. And you des musiques claquent. Les musiques des Louva Boss, ça claque. Et c'est des vers d'oreille. C'est des vers d'oreille. Ah, Stolas. Je l'adore, Stolas. Il vit une histoire d'amour avec un autre personnage. C'est une relation toxique. Tellement toxiques, mais ils sont beaux ensemble. Ils sont tellement beaux ensemble. Et il y a très peu de couples hétéros dans ces séries. Très, très peu. Millie et Moxie. Sinon, ouais. Ben, ça vaut vraiment la peine. Ouf. Je viens de me recrinquer pour les écouter, là. C'est même pas la meilleure. Je t'ai même pas fait écouter la meilleure. Honnêtement, là. Je me retiens pour pas te faire écouter la meilleure. En tout cas, une des meilleures. La liste est longue. Il y a des playlists. Des tiers listes, des musiques. Ma préférée, je peux même pas la mettre. Tellement il y a du vulgaire dedans, là. Ah. Je l'ai faite sur Beat Saber, je pense. Ouais, je l'ai faite sur Beat Saber, ouais. Ma préférée est sur. Je l'ai faite sur Beat Saber. Malgré que j'en ai une qui est. Pas mal kiff-kiff. Mais honnêtement, là, t'as de quoi te régaler avec la musique. Y'a vraiment de quoi se régaler.
je veux pas trop te montrer de musique parce que les musiques sont à des moments clés des épisodes. Là, ce que je t'ai montré, c'est le début de l'épisode 2. Fait que je te spoil rien. L'autre que j'aime bien aussi, à tombe, c'est la chanson. Ah, c'est la chanson d'un des démons principal. Ouais. Aïe. Je vais me répéter, mais les musiques de cette série-là, là. Ils ont tellement bossé pour arriver à cette qualité-là. Puis c'est propre, là. Les animations sont propres. Même les pilotes, là. Tu l'as vu, là, dans le pilote. J'ai vu une autre série faite sur YouTube. C'est 50 fois moins propre. Tu vois l'alignage des personnages. Tu vois des moments où les frames d'animation, tu les vois, là. Et toi qui vises devenir doubleur, une aubaine en or, là, c'est quelqu'un qui s'amuse à doubler pour le fun là, des épisodes. Là. Ah, c'est beau. C'est des fans qui ont doublé les épisodes en français. Là. En parlant de ça, ton projet avance comment pour le doublage? On m'avait parlé que tu visais ça, mais depuis la dernière fois, je t'ai pas posé la question que comment c'était passé. Oh! T'as mis en pause ou t'as eu ça a été trop ça s'est trop mal passé. Ah ok, faut que t'en refasses, ok. Ça t'a pas dégoûté. Si tu dis qu'il faut que t'en refasses, ça veut dire que ça t'a pas dégoûté. Ok. Ah. Je sais pas si tu l'as pogné, cette information-là. Ça passait sur TikTok. C'est le doubleur d'un acteur célèbre. Et il reçoit... Il finit de doubler un film, en tout cas. Il a fini de doubler. Il sort. Il rencontre une femme. Non, il faisait du théâtre, je me souviens. Il faisait du théâtre. Il sort de scène. Il y a une femme, il sait que c'est une acaste des doubleurs. Acaste des doubleurs. Alors regarde, je t'écoutais parler là. J'aurais peut-être un doublage pour toi. Oh, rien de bien, Favlichon. Tu fais. Rappelle-moi demain matin vers 9h. Elle donne sa carte d'affaires. Rappelle-moi vers 9h demain. Avant de quitter la piste, elle se vire de bord. Elle fait. Juste une chose. Sais-tu faire l'accent russe? Fait, bien sûr que je sais faire l'accent russe. Bien sûr que je sais faire l'accent russe. Il a jamais fait de sa vie. Là. Jamais de sa vie. Le lendemain matin, il appelle 9h. Pile! 9h. Pile! Ça a viré. 8h59. Paf! 9h. Téléphone sonne. Il appelle. Il dit oui, j'appelle pour le casting. Il entend. Il fait, ah oui. Il entend qu'il se fait mettre sur haut-parleur. Tu sais, les haut-parleurs de table. Il entend se faire mettre sur haut-parleur, puis il commence à parler. Oui, bonjour, moi vouloir parler, moi vouloir vodka, moi voir ainsi. Il fait vraiment l'accent russe au. L'accent russe cliché. L'accent russe cliché. Il entend talk again. Il continue de parler, puis continue de parler, puis il entend vraiment une puff de cigare, là. He got a job. Il a eu la job de Schwarzenegger. Il a eu la voix de Schwarzenegger. Il y avait Schwarzenegger au téléphone. Et il y a eu le casting. Et c'est Schwarzenegger qui l'a choisi pour le doubler en français. J'ai entendu cette histoire-là, j'étais comme... Mais non. C'est pas possible.
l'acteur hollywoodien. Non. Ben oui. J'ai appris par après que les acteurs, les gros acteurs peuvent cast eux-mêmes leur doublure. Leur doubleur. Mais t'imagines-tu Schwarzenegger au bout du fil? Ah, c'est une fois dans une vie, là. Le gars, là, est, le lendemain matin, il a raccroché, là. Il était comme genre, c'était pas Schwarzenegger que j'avais au téléphone? Mais non, mais non, mais non, je fais pas avoir de Schwarzenegger. Mais non, mais non. Lunaire. C'est une chance d'une vie, là. C'est la chance d'une vie, là. Puis c'est le même doubleur depuis le début, quasiment depuis le début. Puis il a donc autant travaillé les voix de Schwarzenegger aujourd'hui que dans le temps, là. Hey. Ouais, pas de problème, Martha. De toute façon, je t'avais le coupé. On a un peu dérapé. Mais toujours plaisir de déraper. Je sais pas comment tu te sens là, tu viens de parler à une grande star hollywoodienne au bout du fil, puis il te veut pour faire sa voix là. Je sais pas comment tu te sens. Je sais pas comment tu te sens. Moi je serais comme genre. C'est moi qui fais sa voix. C'est moi qui fais sa voix. Ah, je sais pas si, ouais, comme tu dis, je sais pas si tu réalises un jour que tu fais la voix de du T-800, là. Hey, c'est... la voix de Schwarzenegger, hey. Mais elle est iconique, la voix de Schwarzenegger. Imagines-tu, Pierrot, quelqu'un d'autre que son doubleur actuel? Il y a trop une voix iconique. Ah, écoute, qu'as-tu... Quand tu te rends compte que hey, n'importe quel doubleur, c'est un rêve. Je me souviens pas du nom de la doubleuse. Ça m'énerve parce que elle a tellement une voix iconique. Elle double. C'est-tu elle qui double Luffy puis Goku? Je pense que c'est la même fille qui double les deux en français. Mais en tout cas, c'est... Ok, c'est pas la même personne, mais je sais que... Non, c'est Naruto... c'est un peu... Elle, en français, c'est Naruto. Non. C'est Mr. Beast qui s'est payé la voix originale de Naruto en japonais. Je me souviens de cette information-là, c'est Amixem qui l'avait balancé, je pense, ou... C'est comme... Damn! Mais je sais que... la fille qui fait... En tout cas, une des deux voix que je dis, Luffy ou... Goku, c'est une voix iconique. Elle a fait tellement de voix, cette femme-là, là. C'est genre... Même moi qui écoute pas du français de France, je connais sa voix, là. C'est ça qui m'énerve, c'est que des fois, j'ai pas de mémoire de nom. C'est le problème, c'est que j'ai pas de mémoire de nom.
Ça me prend beaucoup de temps avant de retenir un nom. Faut que je me donne des trucs. Ouais, c'est ça. Brigitte Lacordière. Lacordier, ouais. Brigitte. Je vais me souvenir de son nom, Brigitte. Ouais, Goku, ouais. C'était Brigitte. Mais là, tu regardes le doublage qu'elle a fait, là. Ça vient pas du nombre de personnages qu'elle a pu faire dans sa carrière, là. C'est énorme. Ah là, je suis curieux. Moi, c'est ça le problème, c'est que je suis curieux, là. Ben oui. Elle fait la voix de deux personnes de la famille McAllister. La maman, j'ai raté l'avion. Cherche les marquants là, pour qu'ils peuvent, interpréter d'autres personnes. Ah, c'est surtout dans les animations qu'elle a fait, fort. Elle a fait Goku. Elle a fait Oli dans Rolly Poly Oli. Ouais, ouais, elle a fait Oui Oui, c'est vrai. Elle a tellement fait de voix, là. J'arrête de regarder, mais parce que elle a doublé des voix dans American Horror Story. En fait, la maison, la petite maison, la grosse maison dans le petit clos. One Jump Street, la série, elle a une voix là, c'est en a regardé là. Mais c'est elle a fait la voix de Grey de Fairy Tail en français. Ouais, le oui, ça, oui, ça, on le sait.
jeu vidéo, elle a fait du jeu vidéo. Elle fait du jeu vidéo. Elle fait la, les voix des enfants dans Fable 3 en français. Dragon Age Origin a fait la voix de Connor. The Witcher a fait Alvin. Elle a une voix là. Hey, je suis devant. Elle a fait la voix en français de France. De Neville. Elle a fait la voix de Neville dans l'école des sorciers. En français, elle a fait Charlie Bucket de Charlie et la chocolaterie. Mais quel CV! Mais quel CV cette femme! Faut que j'arrête. Je vais scroller des heures. Hey! Mais quel CV cette femme! Quel CV! Quel CV! C'est fou! C'est fou le CV qu'elle a! Ah ouais, elle est trop forte cette femme! Elle est trop forte. Je dis pas que ses confrères ont pas le même niveau, mais elle a le CV là. Ah, de toute façon, je vais aller vider mon inventaire puis je vais me déco. Parce que ça sert à rien que je continue. Hein. On fait plus de 2 heures de live. Je bosse demain. Puis en plus, faut que je me repose. Je vais chercher ma tendre moitié. Mais il y a toujours un demi-stack. Ah, c'est énorme! C'est même pas le mot. C'est tout un CV. Des bisous, Pierrot. À une prochaine. Moi, je vais couper le live sur ça. Sur Brigitte Lecordier. Quelle femme! Mais quelle femme! Quelle doubleuse! On va continuer de miner à partir. On va continuer de miner. Je vais continuer de miner d'ici le prochain live. Essayer de miner demain matin. En fin de semaine, probablement, je pourrais pas miner. Probablement zéro temps de minage. J'ai ma copine. J'ai ma copine chez nous. Je vais la pomponner. Je vais bien m'occuper de ma copine. Ça fait presque un mois que j'ai pas vu ma copine. Donc, on va. Je ferai pas de dessin. Je vais passer beaucoup de temps collé. Alors, je vais bien m'occuper d'elle. Sur ce, on se retrouve lundi. Normalement, lundi, il devrait avoir un live. Je vais faire un don de sang en finissant de travailler. Je finis de bosser à 15h. Ouais, je devrais être bon pour faire mon live. Des bisous, mon Pierrot. Et on se retrouve lundi pour la continuité. On devrait être bon pour probablement utiliser mes drills pour aller plus vite. À la prochaine, Pierrot. Toujours aussi fou. T'es toujours aussi fou. D'accord, merci, Pierrot. Et on se retrouve lundi pour plus d'aventures. Tchuss!